Donc aujourd'hui, je vais vous présenter en fait un gâteau amande de pomme. J'espère qu'il va vous plaire, hein. C'est un truc très très simple, mais j'ai voulu quand même vous le montrer. Alors je vais vous expliquer un petit peu de quoi vous avez besoin. Donc là, vous avez besoin de 4 pommes. Donc moi, je les ai coupées un peu grossièrement, hein. 4 œufs que j'avais déjà cassés. 150 ml de lait. 50 g de beurre. 120 g de farine avec un sachet de levure, bien sûr. 60 g de sucre en poudre avec un sachet de levure, de sucre vanillé, pardon. 60 g de poudre d'amande. J'ai préparé un peu d'amande effilée pour la petite déco par la suite. Donc, c'est tout ce que vous avez besoin. Donc, je vous ai un peu tout dit. Donc, là, à ce moment-là, on prend les 4 œufs. Je vais rajouter le sucre, comme d'hab, hein, je vous apprends rien. Hein, je sais très bien que vous savez faire ce qu'il faut pour les gâteaux. Donc le sucre, je rajoute mon sucre vanille et il faut battre au batteur. Donc pendant quelques minutes jusqu'à ce que ça gonfle un petit peu. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite, je vais rajouter mon beurre. Je l'ai passé un petit peu au micro-ondes. Je vais mettre mes amandes en poudre. Toc. Après, c'est une première fois pour moi aussi, hein, donc je teste en même temps que vous. Ensuite, je vais rajouter. Je vais rajouter ma levure. Check. Ma farine, donc les 120 grammes. Moi, j'ai de l'arôme amande, donc je vais rajouter quelques gouttes. Si ça veut bien s'ouvrir, bien sûr. Voilà, 2-3 gouttes, ça suffit. Et je vais remettre à me battre.
ça sent trop bon. J'ai rajouté le lait, hein, je ne sais pas si vous avez bien vu. J'ai rajouté petit à petit le lait. Voilà ce que ça donne. Je vais quand même bien prendre les contours. Toc. Hop là. Voilà. Je rajoute les pommes. J'ai mis un peu de sucre vanillé dessus. Après, je sais que mon papa, je mets de la farine pour pas que ça remonte au surface. Donc voilà. Il faut bien mélanger. Voilà ce que ça donne au final. Voilà. Vous avez besoin d'un petit moule. Donc voilà. Que je vais beurrer fariner, bien sûr. Donc voilà. Coucou les filles. Ouais, donc suite à. Petite erreur de caméra, j'ai dû en fait prendre mon téléphone. Donc le résultat final, voilà, c'est ça, je l'ai mis dans le moule. Hein. Donc après, il faut parsemer d'amandes effilées. Tac, oula, j'en mets partout. Super. On va voir ce que ça va donner à la fin. Mais ça sent bon en tout cas, c'est tout ce que je peux dire. Je vous montrerai le résultat final. Bon y voilà doux les filles. J'espère que ça vous plaira, il faut essayer quoi, mais je vais vous montrer le résultat final dès que c'est cuit. Par contre, c'est un truc qui est assez simple. Moi j'adore tout ce qui est recette à base de pommes, amandes. Donc moi c'est la première fois certes, mais je vais vous montrer tout de même à la fin ce que ça donne. Le gâteau est cuit, donc je vais le sortir. Voilà le résultat. Hein.